qu'est-ce que c'est qu'un artiste, parce qu'en fin de compte, quand je parle, moi j'oublie que je suis artiste, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus travailler, on pense qu'à soi-même, on se regarde soi-même au lieu de regarder la toile. Moi, je suis espagnol aussi. J'étais toujours fascinée par les azulejos qui sont sur les murs. Et justement, cette ligne, cette énergie, cette écriture cursive, ça m'a toujours... ça me parlait. Et ça, j'ai jamais oublié. Et j'ai laissé ça en moi. J'ai commencé la peinture, je me peignais en noir et blanc. Alors pour moi, le noir et blanc, c'est mon domaine. Et ensuite, j'ai introduit un peu, peu à peu, de la couleur. Bon, maintenant, je suis arrivée au rouge. Ça m'a donné une autre dimension.